J'ai mis 15 jours à remettre en question la recherche mondiale sur le domaine, un an à l'accepter et un an de plus à le faire comprendre. Bonjour, je m'appelle Guillaume Bagnel, je suis fondateur et CEO de Revive Bionics et je fais partie de ceux qui font les deep tech. Revival Bionics développe un pied robotique à destination des personnes amputées afin de préserver leur santé mise à rude épreuve par les dispositifs actuels. La deep tech, pour moi, c'est le fait de flirter avec les limites physiques pour produire des innovations toujours plus avancées. Je dirais que c'est le directeur de l'IUT que j'ai traversé qui a su me dire qu'un ingénieur, c'était certes une tête bien faite, mais aussi une personne compétente. C'était en stage de fin d'études. 3 semaines après mon arrivée, j'ai détecté une anomalie qui allait compromettre le projet. On a pu la résoudre et le projet s'est bien passé. Mon objectif, c'était de me tester, de tester le projet, comme je l'ai dit, et aussi de le montrer à des experts pour savoir quelle était la viabilité du projet en une phase très amont de ce dernier. J'étais au restaurant, exceptionnellement en congé. Disons que le dessert s'est prolongé. Engagement, suspense et récompense. Next step, en septembre, à la rentrée, si tout va bien, nous devrions tester notre pied robotique sur un homme, avec un grand H. Back in black, ACDC, ça fait du bien pour se remettre dans le bain.